20h sur Gabon News, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. À la une de cette édition, les agents de la douane sont en grève de plusieurs à Libreville après un préavis adressé à leur direction générale. Ces derniers disent être des victimes d'injustice sociale. Nous les écouterons dans ce journal. Les travaux sur la question du droit à l'exécution ont réuni ce jeudi à Libreville plusieurs huissiers de justice venant d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'espace OADA. La signature d'une convention pendant cette cérémonie est également à l'ordre du jour. Et puis une conférence de presse a été donnée aujourd'hui dans le cadre de la préparation de l'avant-match, le premier match qui opposera Manga Sport et Sogea FC. Voilà pour les titres. Après un préavis de grève adressé à la Direction générale des douanes et des droits indirects, les membres des syndicats nationaux des agents des douanes ont décidé de sortir leurs griffes face à une situation d'injustice professionnelle. C'est un reportage de Sabrina Polo et Justin Bitigué. Tout part de la non-satisfaction de plusieurs points inscrits dans le cahier de charges qui a été soumis à la Direction générale des droits de douane il y a quelque temps. La grogne lancée mardi reflète bien le mécontentement de ces douaniers. Les points les plus obstruants, c'est déjà le comportement dictatorial du directeur général qui se plaît à prendre des mesures qu'on lui dit impopulaires et sur lesquelles le monsieur ne revient pas sous le prétexte qu'il a été nommé spécialement par un décret qui fait de lui le super douanier parce qu'il serait le meilleur dans ce qu'il ferait. Nous on dit non. La modestie voudrait qu'il soit à l'écoute de tout le monde et que les points de vue généraux soient partagés pour faire en sorte que la maison aille de l'avant. L'amélioration des conditions de travail des agents, le paiement des primes diverses et la construction de logements ou de casernes de douaniers sont autant de points qui, depuis 2 ans, n'ont pas trouvé un écho favorable auprès de la tutelle. Au regard du mécontentement déjà qu'il y avait là, parce qu'avant que la mesure de fonds communs ne tombe, il y avait déjà un préavis des grèves qui était lié au fait que nous soyons mécontents et puis que le directeur ne veuille pas résoudre comme ça se doit le cahier des charges. Donc quand la mesure du fonds commun est arrivée, ce n'est qu'un additionnel qui a fait que le mécontentement s'amplifie un tout petit peu. Aujourd'hui s'ajoute la question des fonds communs qui ont été suspendus par le gouvernement, l'occasion d'attiser le feu déjà allumé. Il faut craindre avec cette grève de nombreuses surenchères. Les huissiers de justice venant d'une dizaine de pays africains de l'espace OADA sont à Libreville pour 2 jours de travaux sur la question du droit à l'exécution. À cette cérémonie, une convention a été signée entre l'Union internationale des huissiers de justice et l'École régionale supérieure de la magistrature. Samperonba, Justin Bitégué. Ce 31e colloque enregistre la participation de nombreux huissiers de justice africains de l'espace OADA. La cérémonie d'ouverture qui a été marquée par les discours de Maître Eliane Berdenou Antala Léori, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, et Léo Netel, président de l'Union internationale des huissiers de justice, a permis de relever les attentes du gouvernement dans un pays qui mène le combat de l'état de droit. La thématique retenue pour ce colloque nous amène à mieux nous interroger sur l'huissier de justice dans son rôle d'agent d'exécution. Ceci confère tout le sens à son statut d'auxiliaire de la justice et donne un poids juridique à ses actes. Toutefois, les justiciables ne manquent pas de crier aux aides, voire à l'abus de droit, d'au regard du comportement de certains huissiers de justice. A suivi la signature d'une convention en unité de formation des huissiers de justice africains et l'École régionale supérieure de magistrature, une convention qui annonce une formation régulière des huissiers de justice d'Afrique centrale. Le droit à l'exécution est inscrit dans nos constitutions. Et c'est même à la limite un droit de l'homme. Parce que le justiciable qui est titulaire d'un titre exécutoire a le droit de voir sa décision exécutée. Le thème de ce 31e colloque est « L'huissier de justice dans le droit à l'exécution ». Plusieurs ateliers vont permettre un véritable renforcement des capacités des huissiers de justice et des autres praticiens du droit, tels que les avocats et les magistrats. Et puis un séminaire sur la vulgarisation de la nouvelle Convention des Nations Unies relative aux contrats de transport effectués entièrement ou partiellement par mer a ouvert ses portes jeudi à Libreville. Il est consacré notamment aux praticiens de droit qui doivent étudier la Convention pour une éventuelle ratification. Sampero Doumba, Justin Bitégué. Ce séminaire répond à la recommandation 3 des 6e journée du chargeur africain de novembre 2012.
le CGC, instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transport maritime, espère atteindre trois objectifs essentiels à travers ses travaux. Procéder à l'analyse des règles de Rotterdam comparativement aux règles existantes, en vue d'en dégager les avantages et les menaces pour les chargeurs, de sensibiliser les chargeurs et les opérateurs du secteur maritime et portuaire, ainsi que les praticiens du droit, afin de recueillir leurs opinions et évaluer l'impact des règles de Rotterdam sur l'activité des transports et sur le commerce extérieur du Gabon. L'Union des conseils de chargeurs africains présents à Libreville a invité le Gabon à ratifier les règles de Rotterdam compte tenu des changements qui vont intervenir dans les échanges internationaux avec l'application de ce nouveau texte. Nous avons bien pris part à l'élaboration et à l'adoption des règles de Rotterdam, contrairement aux conventions existantes. Le gouvernement, quant à lui, se satisfait des efforts qui sont consentis à l'endroit notamment des praticiens de droit qui devront faire ratifier la nouvelle convention. M'appuyant sur les difficiles relations contractuelles entre les chargeurs et les transporteurs, j'attends des participants une analyse pertinente des règles de Rotterdam afin de dégager les points forts et les points faibles de cette convention. La ratification de la convention des règles de Rotterdam passe donc par une véritable analyse des enjeux d'un tel texte. Dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'amitié égypto-gabonaise, vieille de 40 ans, son Excellence Amadi Sana de Louza, vice-ministre aux affaires étrangères égyptiennes, a été reçu ce jeudi par son homologue gabonais Emmanuel Issoze Gondé. Plus de détails dans cet élément de Kenny Ongouri et Fred Ndongo. Il s'agissait pour son Excellence Amadi Sana de Louza, vice-ministre aux affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de venir confirmer les liens qui existent entre les deux pays malgré la situation qui prévaut et d'en dresser l'état des lieux à son homologue gabonais. J'ai pris soin de venir présenter aux autorités gabonaises qui sont connues pour leurs relations internationales très efficaces et très expandues, leur expliquer ce qui se passe en Égypte dans le processus de rétablissement du processus constitutionnel. Nous avons une feuille de route suivie par les autorités et par le peuple égyptien. L'Égypte, à travers cette rencontre, veut conserver ses acquis en terre gabonaise, mais aussi voir comment investir dans d'autres domaines que l'éducation et la formation. La santé, le domaine de l'éducation, et nous avons beaucoup de contacts dans ce domaine et dans le domaine aussi de la coopération économique et de l'investissement. Il y a encore beaucoup à faire dans tous ces domaines et c'est peut-être l'occasion de faire le point et de décider ensemble quels seront nos projets durant les prochains mois et les prochaines années. Le Gabon et l'Égypte s'apprêtent à célébrer dans les tout prochains jours leurs 40 années de coopération et d'amitié. Et en sport, on parle du CF Mounana qui était face à Océan Club de la Nyanga au stade Augustin Monédan de Siban dans le cadre du match retour comptant pour la 4e journée du championnat national de foot. Une rencontre qui a vu la victoire du CF Mounana. Marvin Beryl et Justin Bitégué. C'est le stade Augustin Monédan de Siban qui a abrité la rencontre opposant le CF Mounana à Océan Club de la Nyanga comptant pour les matchs en retard de la 4e journée du national foot. Une rencontre de niveau moyen qui ne satisfait pas le coach du CF Mounana malgré la victoire de son équipe. À notre qualité d'effectif et de jeu, on n'a pas été bon aujourd'hui. Bon, malgré ça, c'est sanctionné par deux buts, quand même. Donc ça c'est positif, les trois points sont positifs, mais au niveau du jeu c'était pas mal. Océan Club qui aurait pu revenir à la marque va passer à côté dans cette rencontre en ratant plusieurs occasions nettes de but à l'exemple de ce pénalty manqué par Poba Gilles. Pour l'entraîneur, son équipe n'a pas respecté les consignes. Lorsqu'une équipe se crée des occasions de but, c'est qu'il y a des automatismes. Disons simplement qu'il a manqué de réussite. Jusque-là, on n'a pas eu un scénario favorable. On a eu le pénalty qui pouvait changer la rencontre. On a manqué de réussite. À la fin, j'ai dit, on était parti pour trois matchs à l'extérieur, un calendrier assez difficile. Nous n'avons pas perdu deux, ce soir on a perdu. Mais je dis, en première mi-temps, tactiquement on n'a pas été bien. Les garçons n'ont pas respecté les consignes, ils ont trop respecté l'adversaire. Le CF Mounana l'emportera donc 2-0 grâce à Claude Vemisa et Abdou Achabour.
Par ailleurs, une conférence de presse d'avant-match s'est tenue cet après-midi au stade de Nzengayon, comptant pour le premier match de la 8e journée du championnat national de foot qui opposera Manga Sport à Sogea FC. Marvin Beryl, image l'INAF. En l'ouverture de la 8e journée du National Foot, Manga Sport, 8e du championnat avec 8 points, sera face à Sogea FC, 12e avec 3 points, au stade de Nzengayon. Le regard fixé vers le titre, Toto Nobile et ses poulains partent favoris, mais respectent tout de même leur adversaire. Pour l'instant, juste hier, mon équipe m'amène à dire qu'on est une équipe bien mise en place pour gagner ce titre. Manga Sport, c'est favori tous les jours, hein. Mais ce n'est pas demain. Même contre Missile, on est favori. On a joué à Pogentil, on est favori. Mais on n'a qu'à respecter l'adversaire en face. Parce que les jeux de football, ils jouent entre contre 11. Pour le coach Nzamba, qui n'a pas disposé d'assez de temps de préparation avec son équipe, l'objectif est de prendre les 3 points et remonter au classement général. L'objectif actuellement, c'est de chercher à avoir les 3 points pour essayer de sortir de cette zone. Et j'ai souvent l'habitude de dire que sur le stade, c'est 11 contre 11. Logiquement, pour préparer une équipe dans un championnat, il faut au moins 45 jours. Alors que moi, je n'ai que 10 jours. C'est ce temps dont j'ai parlé. Mais à l'heure actuelle, on est obligé de faire des choses comme telles. Et on va s'atteler avec la petite trêve dont on a eu. Et puis les deux matchs qui ont sauté où je n'ai pas pu jouer. J'essaie un peu d'améliorer petit à petit les choses. Une rencontre entre deux ténors du championnat qui promet au regard des enjeux des deux clubs face à cette compétition et plus encore Sogea proche de la zone rouge qui devra obligatoirement empocher les 3 points. Voilà, point final à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'intégralité de l'information sur www.gabonews.com. Demain, même heure sur Gabonews.